Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour une nouvelle session de Brotato avec des runs en danger 5. Il nous reste 3 persos à faire. Là, on va faire le pêcheur. Alors, je vous avoue qu'on a fait quelques tests avant. Ils n'ont pas été très concluants parce que je voulais faire plein d'appâts lors des premières vagues. Et on a eu des crashs, tout ça. Enfin bref, c'était compliqué. Mais on va voir ce qu'on va faire. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Mais en tout cas, c'est une nouvelle vidéo. Donc, comme à chaque début de vidéo, si vous voulez bien laisser un petit commentaire pour aider au référencement, merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui le font. C'est très gentil, ça aide. Et merci également à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui activent la cloche pour être alertées des vidéos. Et si ça vous plaît, laissez un petit pouce en fin de vidéo ou en début, si vous le voulez, hein, pour aider aussi au référencement. C'est très cool. Merci. Let's go. On y va. Nouvelle partie. Donc, on a dit qu'on était sur le pêcheur. Il nous reste que 3 persos à faire. Alors, on a fait des tests avec la déchiqueteuse. Et je suis pas convaincu. Je suis sincèrement pas convaincu. Qu'est-ce qui nous permettrait de sortir rapidement des ennemis pour en prendre 2 sereinement dès la première, dès la première vague? Le problème, c'est qu'ils ont quand même des HP, donc le SMG. Le bouclier, non, non, non. Non, non, pas le bouclier, non. Non, parce que j'ai pas envie de me taper une run bouclier, quoi. Peut tenter le fusil à pompe. Hein. Mais je... Ou le revolver, hein. Mais ouais, mais la meilleure cadence de tir, c'est le pistolet mitrailleur. Mais le pistolet mitrailleur fait pas très mal. Donc je sais pas trop. On peut tester... Oh, vas-y, on va tester au pistolet mitrailleur. On va voir ce qui se passe. On va voir. Un petit tard pour commencer, c'est toujours ça. Hop, quasiment le level 2. La récolte, c'est important sur lui. Un appât. Une réduction. Un deuxième appât. Une réduction. Un SMG. Ok, on a 2 armes, 2 appâts. On va tenter. On a eu... Par contre, j'aimerais bien pas mourir en vrai. Parce que double réduction vague 1, c'est quand même mignon. Question bête, mais c'est pas conseillé de prendre différentes armes parmi les suspects? Pas forcément, non. C'est absolument pas. Hop. Dépend vraiment des persos. Ça dépend de pas mal de choses. Ok, 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 ok. Ouais, meilleur jeu de jambes possible. Voilà, c'est, je suis déjà quasiment mort. Alors, et le speed qui manque. Ah non, il n'y a rien qui tombe. C'est encore pire que la déchiqueteuse, donc. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, non, ça tombe pas. Ça tombe pas. Bah, finalement, la déchiqueteuse n'était pas si mal. Hein. Elle, au moins, elle tuait les ennemis. Là, on tue pas les ennemis. Revolver, peut-être. Tournevis pour les mines. Mais arrêtez de vouloir... Ah oui, si, on peut jouer... Pompe ou lance-pierre. Mais lance-pierre, c'est ce que j'ai fait avant. Je voulais pas refaire lance-pierre, en fait. La dernière run que j'ai gagnée avec le pêcheur en danger 1, c'était lance-pierre. C'était pour faire un truc différent. On peut essayer le pompe. On va essayer le pompe. Ouais, la mitraillette sans dégâts distance, c'est embêtant. On va essayer le pompe. Hop. Ah, et finalement, la déchiqueteuse était peut-être pas si mal. C'est juste que 2 appâts vague 2. C'est un peu compliqué, en vrai. Dire que j'ai failli réussir 3 tout à l'heure, là. Ok. Ouais, le pompe devient bof. On va prendre de la chance. Un appât. Un deuxième appât. Ah, par contre, il faut nous donner un autre pompe. Ah, pompe revolver, du coup, hein. Bon, on a 2 appâts. Les appâts servent à quoi? À augmenter, à donner du pourcentage de dégâts. Waouh, 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 waouh. Ça tombe pas assez vite. Ça tombe pas assez vite. Et je me fais rushette partout. Non. Eh, mais c'est... En fait, on trouvait la déchiqueteuse nulle, mais en fait, c'est peut-être l'une des meilleures armes pour arriver à clean en vague 2, hein. En attendant, les autres, elles sont pires. Hein.
finalement, la déchiqueteuse était peut-être pas si mal, hein. Oh, vas-y, je retente. Il y a un monde où si tu prends... Bah, le problème de... Ouais, oui, c'est vrai. Oh, vas-y, attends, il y a quelqu'un qui parle de quelque chose de rigolo, là. Attends. Non, mais non, c'est pas possible. Si tu prends plein d'appâts vague 2, c'est vrai que tu les one-shot. Non, ils sont trop, c'est pas possible. Là, c'est un peu nul en plus qu'on a eu. Bon, vas-y, 5 récoltes. Six, ça fait 48% de dégâts. Voilà. Est-ce que... Pour la science. Il y a un monde où t'es tellement skillé à esquiver les boulettes que ça passe. Mais voilà. Mais finalement, tu peux presque recommencer. Ouais. Faut mass dodge avec... Oui, mais t'es vague 1, tu peux pas avoir tout ça. Et le problème, c'est la vitesse. Le problème, c'est clairement la vitesse. C'est un problème de vitesse. Une arme de moins et deux appâts de plus, non. Non. Ah, c'est quand tu pas assez vite, c'est qu'on clean pas assez. Si tu fais une explosion de moins, c'est encore pire. Hein. Ok. C'est dommage. En fait, faudrait limite du dégât distance. Ah, je vais prendre du PV. Oh, vas-y. Tant pis. Ouf. Oh, j'ai tout pris. Ok. Ouais. Deux vagues, c'est gérable. Hein, on voit que deux vagues avec la déchiqueteuse, finalement, c'est pas mal du tout. Hein. Un autre arbre. Oh non, mais arrête d'aller sur les boulettes. Oh, j'ai pas eu. Ok. Alors ça, c'est vraiment pas bien. La vitesse d'attaque, ça, c'est pas mal. 10 de chance, c'est pas mal. Un appât. Deux appâts. Je pense que la mitraillette bleue se refuse pas. Donc, let's go. Allez, droppez-moi un heal quelque part, s'il vous plaît. Il y a d'autres mobs, là, qui vont pop. Voilà. Aïe. Non, mais il y a un truc. Il se passe un truc. Pourquoi? Pourquoi la boulette, elle va pile dans la direction où je vais, là? Okay. En vrai, c'est pas mal, là. Hein. C'est pas si mal. Hein. On est déjà à plus 40% sur... Oh, un petit 2 d'armure. 2 d'armure, ça a l'air bien. Un appât. 2 appâts. Une arme. On va pas encore passer à 3. Oh, je sais pas. Ça, c'est bien. Ok. On reste à 2 appâts. Oh non. Oh, je suis mort. Pas mort, mais je vais mourir quand même. Oh, un heal, s'il vous plaît, parce que là, il y a d'autres mobs, voilà, eux qui vont pop, là. Oh, attends, il y a un heal là-bas. S'il te plaît, laisse-moi aller. Non, ouf, c'est bon.
y a deux îles là. Ok. Oh, je les déteste, c'est ma... Il me faut du speed. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Dégâts mêlés. Récolte, faudrait de la récolte sur lui, mais... Oh, vas-y. Réduction. Un appât. On va prendre une mitraillette. Deux appâts. Oh mince, mais on trouve pas... On trouve rien. Je suis tellement mort là. Non mais ce perso, il est pas bien pour le cœur. Hein. C'est pas un bon perso pour le cœur celui-là. C'est le chargeur, l'autre... Bon. Par contre, c'était vraiment nul. Hein. On n'avait rien sur nos achats. C'était vraiment de la daube. Hein. C'est sûr que c'est plus tendu que le jeu précédent. Bah après, là, c'est galère parce qu'on fait deux appâts dès la vague 2 qu'on grid comme des ouf. Hein. On va pas se mentir, hein, c'est parce qu'on grid. Hein. Si je grid pas, ça passe beaucoup plus facilement, mais c'est juste que c'est rigolo, quoi. Hop. Ne croyez pas que c'est forcément représentatif de la difficulté, pas du tout, hein. Hop. Alors, dégâts mêlés, ingénierie, armure, régénération PV. Vas-y, armure. Pam. 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 Alors, je propose de prendre un fantôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit fantôme vague 2 avec double appât. Ça vous tente ou pas? Si, si, régène PV, ce serait bien, mais on a trop peu pour que ça fasse tant une diff que ça. Allez. On a 3 armes. Vas-y. Ça dépend un peu comment se passent les premiers tirs en vrai. Ouf. Non mais le speed. Oui, on va prendre. PV max. 1, 2, c'est pas mal, malheureusement, ok. Wow. Mais pourquoi il y en a autant là? Bon, alors qu'on en a pris que 2, pareil. D'huile. Oh, il y a 2 îles là. Je suis tellement mort. Non, j'ai voulu éviter la boulette, j'ai pris le mob derrière. Ah. Hop. Ça va devenir le perso que je déteste le plus. Hop. Oh, au moins, c'est un bon perso pour s'entraîner à esquiver, hein. Ouf. Dégâts. Et en plus, on a jamais. À chaque fois, je me dis, ce serait bien qu'ils nous mettent genre du dégât à distance en 1, tout ça, mais jamais. Vas-y, on va essayer avec la régène. Bon, j'ai que 2 armes, ça m'embête un peu. 2 armes, c'est chaud, hein. Ah non, 3 armes. Ok. Good. Aïe. Ok, vite, un heal, s'il te plaît. Un heal. Oh, vas-y. Non. Le heal.
le double hit. Ah, le speed. Ah. dégâts distance. Ou vitesse d'attaque. Allez, dégâts distance. Oh. Oh, le lance-roquette. Moi vouloir lance-roquette. On en reprend deux. Ok. Bon, je veux pas mourir parce que je veux le lance-roquette. Meurs pas. Ok, ok, je vais mourir. Bah, c'était bien. C'était bien. C'était génial. Tu combats tellement près que tu pourrais prendre une arme cac. Oui, mais j'ai dit que je voulais pas faire une run cac. Mais oui, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas de speed. C'est juste ça. Peut-être avec un 3%, ça pourrait aider en premier level up. Dommage, on avait un petit lance-roquette, là. Bon, on va prendre dégâts distance. 1. 2. 3. Ok. C'est pas mal. Non. Oh, vas-y. Mais en vrai, plein de gens doivent se... Enfin, je suis sûr qu'il y en a plein que ça énerve ce que je suis en train de faire. Hein. Mais c'est intéressant hein, parce que ça m'oblige vraiment à essayer de changer mes réflexes pour les esquives. Parce que le jeu est surtout basé sur le building et pas... Et du coup, même si tu esquives pas forcément très très bien, tu peux t'en sortir. Et là, en vrai, c'est hyper tendu. Alors ça, c'est bien. Mais... Parce que dès qu'on les touche, on leur fait perdre 10% de vitesse. Mais le problème, c'est que là, ça va nous mettre un malus de vitesse qui va, je pense, être... Je pense que le malus de vitesse fait beaucoup trop mal. Mais on va le tester. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un 3% vitesse, là. On n'a pas eu de deuxième arme. Ouais, je pense qu'on est mort. Mais bon, on sait jamais, sur un malentendu. Et en plus, je sais pas si la charge est affectée par... Je sais pas si la charge est affectée par la réduction de speed. On tue pas, quoi. On les tue pas. Ok, on n'a pas fait grand chose. Bon, on est obligé de prendre un bleu à ce niveau-là, c'est trop fort. Un. Ah ouais, mais on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Testons, on verra bien. Oh, oh là là, ouais, non. Non, ça passe pas. Arbre qui meurt en un coup, c'était pas mal, ouais. Je réfléchis. Ouais, j'aurais bien aimé aussi quand même tester un build ingénierie, mais bon. Je pense que c'est trop galère de vouloir les emmener sur les mines, une mine toutes les 12 secondes, ça, je pense que ça sert à rien. Donc je veux pas corps à corps. Ça, on a vu que c'était pas ouf. Ça, on n'a pas de bonus damage distance, donc ça marche pas. Ça, ça rebondit, c'est génial, quoi. Mais j'avais dit que je voulais pas refaire une run là-dessus. Non, mais il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. Arbalète, parce que ça transperce. C'est vrai qu'on n'a pas testé. Ouais, on va tester, vas-y. Ça transperce. Vas-y, on va voir. Parce
que si ça permet d'en sortir deux d'un coup à chaque fois, il y a peut-être moyen. Après, je vais peut-être réussir quelque chose. Mais ça y est, elle m'a saoulé l'arbalète. C'est bon, ça commence, elle m'a saoulé. On va prendre le 1 dégât distance. Deuxième arbalète, une arme. Troisième arbalète, un deuxième comme ça. Let's go. On va voir. Il est impossible de tuer l'arbre là. Je suis pas convaincu. Hein. Ça meurt pas du tout. Hein. Ok, ça a l'air d'être de la bonne grosse daube. Ok, grosse daube. C'est de la daube. Ah, ça transperce que sur les crits. Ah oui, non, c'est de la daube. Ah oui, en cas de coup critique. Non, c'est peut-être très fort après. Hein. Mais là, en... J'aimerais arriver à faire deux vagues de façon sereine. Vas-y, même si je l'ai déjà fait avant, on va retester parce que j'ai pas testé en danger 5. Voyons voir. Voyons voir si... Parce que finalement, la déchiqueteuse, ça reste le meilleur résultat qu'on ait eu pour une double vague... Vague 2. Enfin, une double à pas vague 2. En plus, un armure. On en a 3, ça c'est bien. Ça c'est un peu dangereux du PV en moins, mais quand même. Let's go. Oh mais vas-y quoi, 7000 boulettes. Non. Bon, ouais, en fait le problème c'est que toutes les armes à bas level n'ont pas de dégâts, donc on les sort pas. Donc c'est pour ça que la déchiqueteuse passe, parce que la déchiqueteuse t'as l'explosion donc ça fait beaucoup plus mal. Et en plus ça fait une zone d'AE. Donc je pense que ouais, non, si tu veux faire deux vagues t'as pas le choix, hein, c'est déchiqueteuse et il faut que tu deviennes super fort quoi. Après, ça se trouve, il y a des armes corps à corps qui passeraient. Hein. Ça non, ça non. Bouclier fait un up de tanking, mais vu qu'on peut pas, on peut pas rester sur place et tous les... je pense pas que ça passe. Peut-être acheter n'importe quelle arme distance jusqu'à en avoir 6 au début, quitte à les vendre plus tard. Bah, quand on arrive à en avoir 3, on pourrait pas spécialement en acheter 4, donc... Ouais, non, revolver, sur le principe, oui, dans la pratique, non. Est-ce que j'ai testé une run full revolver? Attends, on va tester. Vu qu'il fait mal. Ouais, peut-être. À voir, on va tester. En effet, si on arrive à en sortir directement. Ok. Avec dégâts distance ou vitesse d'attaque. Dégâts distance. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ok. On a 3 armes. On va voir. Le moment de recharge avec le revolver, il est horrible. Hein. Ouais, non. Non, ça tombe pas assez vite. Non, il y a que la déchiqueteuse. Hein. Il y a que la déchiqueteuse qui clean un peu. Le moment de pause où on doit recharger, là, la recharge est 3,47 secondes tous les 6 coups. 3,47, c'est vraiment, vraiment très, très long. Non, bah, au final, c'est bien la déchiqueteuse, la meilleure arme pour faire ça. On va retenter et on va tenter de get good. Bah, le jeu de jambes était pas mal parce qu'en fait,
le revolver quand même sur les premiers coups a bien sorti des ennemis. Donc il y a eu des boulettes en moins, donc c'était moins le stress. On va essayer avec un 3% vitesse. Ouais, par contre là... Oh vas-y. On va essayer avec un pistolet laser, au moins ça devrait peut-être en sortir un... Même avec le 3% vitesse, c'est compliqué. Hein. Oh, ils sont encore pleins. Ok, c'est passé. Qu'est-ce qu'on voudrait ? Bon, il faudrait de la récolte sur lui. Un appât. On va tester un peu avec. Deux appâts. Oh mince, trop cher. Ok. Oh, ce que j'ai pris. Oh, ce que j'ai pris. Ah, je pense que le laser, c'est pas une bonne idée. Je viens de terminer la démo de Greenland. Merci pour la découverte, c'était tellement bien. Ah, content que ça t'ait plu. Hop. Je veux pas tomber en dessous de deux appâts. Bon, la vitesse n'a pas changé grand-chose. 3%, c'est un peu trop anecdotique. Ok. Qu'est-ce qui est le mieux dans l'ordre de priorité ? La régène, je pense que c'est trop faible. À bas HP. Ah, on pourra tester la lance, mais je voulais vraiment pas jouer corps à corps. Mais on va tester la lance après. Y a pas le pistolet médical dans le choix. Non, non, mais là, de toute façon, faut faire du dégât. On a vitesse d'attaque. Je pense que c'est important de tuer les arbres en un coup parce que... Ça fait du heal directement. Ok, j'aime bien le start là. J'aimerais bien ne pas mourir sur celle-là. Non, non, non. Non, 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 non. Prends un heal s'il vous plaît. Un heal. Ah, ça, on a vu que c'était pas mal, mais c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend ? Je pense qu'il faut prendre le dégât à distance. Un appât. C'est un gros problème. Elles sont à 20. Hein. Oh, vas-y. Alors, je pense qu'on est mort. On est mort. Ah, j'hésitais avec le pistolet médical, mais... Avec les autres qui chargent en même temps, là, non, ça fait... Hein. En plus, ils sont horribles. On aurait pu s'en sortir sur celle-là. On va essayer avec la lance pour voir. Hop. Oh. On va voir, on va voir. Mais on aurait pu s'en sortir sur la dernière, quand même. Mais ouais, ils sont vraiment horribles parce que... Ils tirent, ils chargent, ils retirent dans des directions différentes... C'est juste les mobs de l'angoisse ultime. Ok, 66 vagues 1, c'est joli. On va y aller à la vitesse d'attaque. Un appât. Deux appâts, par contre, il nous faut des lances. Deuxième lance.
troisième lance. Ok, c'est pas mal. Let's go. Ça a pas l'air dégueu, hein. Ça a pas l'air dégueu du tout. Ouais, ouais, non, 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 non. Ok. Peut-être que... On n'a pas d'esquive pour le moment et ça, ça nous aidera à rester en vie. Prendre de la vitesse d'attaque. Prendre du PV max. Un appât. Une lance. Deux appâts. On va reroll une fois au cas où il y a un truc à lock. Malheureusement, non. Ah, peut-être le... Ouais. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Ah, la lance a l'air pas mal, hein. La lance a l'air pas dégueu, hein. Dégâts élémentaires, dégâts en mêlée, mais il y a le moins récolte qui m'embête un peu, mais je pense qu'on est obligé de le prendre parce que deux dégâts en mêlée, c'est beaucoup. Du coup, on va prendre le 5 récolte, la réduction... Oh, vas-y, me file pas de lance. Ça, on veut. Ouais, mais du coup, c'est des rolls nuls parce que c'est des rolls qui a deux items. Donc, en vrai, faudrait y aller comme ça. Ouais, dommage, on n'a pas trouvé d'armes sur celle-là. Après, il y a un truc non négligeable. J'hésite. Ouais, je pense que je vais prendre la massue cactus pour assurer le coup. Ok. Parce qu'on a... Faut pas oublier que là, on a un gros bonus d'HP aussi, hein. On a un gros bonus d'HP. Ouais, ça y est, on est pas mal, là. On va 4. Est-ce que vague 5, ça veut dire qu'il faut qu'on passe à 3 appâts? Déjà, faut survivre, hein. Hop. Ok. Avec lui, on veut de la récolte, mais on n'a pas de chance aussi. Non, on veut de la chance. On veut un 4 dégâts mêlés ou un 6%? Non, on veut les sortir rapidement. On veut ça. 1. 2. Puis on va y aller comme ça. Est-ce que je tente 3? 3. Allez. Ok. C'est tendu, hein. C'est tendu, mais c'est passé. Ok. Bon, c'est du bon grid, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Poussé. Ouais, on va le prendre. Go repasser l'esquive en positif parce que un violet à ce stade c'est quand même très très fort. Ok, est-ce que. Voyons les dégâts. 3165, 300. Ah oui, non, ça sucks totalement. Au revoir. 1. Oula. Ça fait pile 94 ça. Ah, je pourrais en prendre que deux, du coup. Ok.
Ouais, c'est presque triste de maintenant, hein. Mais bon, là, vu ce qu'on me vendait, je pouvais pas ne pas acheter tout ça. C'était pile le prix. Oh, ça a l'air fort, la lance. Contre eux. Peut-être que j'aurais pas dû prendre la lance bleue et lock et acheter et roll pour acheter des upgrades. Je pense que c'était plus optique de faire ce que je viens de faire. Maintenant, il va falloir savoir quand est-ce qu'on augmente le nombre de... Ça, c'est pas évident. Ah, pour une arme mêlée, elle va loin. Bon, 9 PV max, c'est énorme. Alors, 1... 2... 3... 4 ou pas? Je pense que oui. Alors, on n'a pas de crit... 4. Oh, je sais pas quoi penser de la tentacule. Ouais, si, vas-y. Mince, c'est Vaxette. Ok, on l'a sorti. Ouais, Vaxette, c'est quand même... Oh non, j'avais pas vu qu'ils étaient autant, là. Ok. Des heals, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, il y en a un. Non. Ok, vite, 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 vite. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est un bon moment pour prendre le 6% vitesse. Vas-y, on va prendre ça. 1. Donc on est à 2, c'est ça. 3. 4 ou pas? Ça avait l'air de bien passer. La 4, on est full bleu. On lock ça. On va lock ça aussi. Ok. Grid pas trop. Oh bah, le but, c'est un peu de se mettre en danger aussi pour... Oh, 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 oh. Ouais, enfin, sauf que là, je meurs. Non, je meurs pas. Ouais, les mobs qui m'ont chargé au tout début, plus les autres mobs, ça a été... On veut du heal, on aime ça le heal. On veut absolument le tuer lui, c'est fait. Ok. C'était chaud le start, hein. Le start il m'a fait peur, hein. Le start il m'a fait très très peur, hein. Recycler, ça, on prend. Bon, vitesse d'attaque, hein. Même si le petit 3 armure, il me tente, mais vitesse d'attaque, je pense. Et j'aurais tendance à dire esquive. Même si vitesse est bien aussi, mais on va prendre esquive. Alors. Ah, je peux pas. Ok, 1. 2. Ça, ça m'embête. Je veux pas un malus de régène pour le moment, mais d'un autre côté, c'est quand même 20 de chance. Je suis à 2, là. Hein. Ah, vas-y, on va pas le prendre. 3. Quatre. Et on va pas tenter trop le diable. 4. Ok. Déjà beaucoup. Ok.
contrairement à des armes où tu vas tout dépop à distance. Par contre, la lance est peut-être très forte au début. Mais je sais pas, je pense que c'est pas une bonne arme où t'en fais pop 10, quoi. Parce que, ok, les armes distantes, tu vas tout dépop. Là, tu vas pas vraiment tout dépop, quoi. Je vais pas taper plus de mobs que maintenant au début, quoi. Par contre, on va essayer de pas mourir quand même. Donc, je sais pas si c'est une arme qui va me permettre de faire énormément d'appâts d'un coup. À moins que j'ai un énorme tanking, régène, tout ça. Et ça, c'est une chose qui peut faire que... Et vu qu'on a énormément de dégâts, là, c'est peut-être ça qu'il faut faire maintenant. C'est peut-être ça le meilleur deal. Hein. Que 379, vague 9. Bon, par contre, ça, on prend, c'est bien. Là, on roll. 9% esquive, on prend. La lance, on prend. Et de 1. Ok. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Ça, je pense que c'est bien. 5. 5 ou pas? On va être vague 10. 5. Ok. Si je meurs, hein. Ça va, ça se passe bien. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il faudrait que je prenne de la régène, là. De toute façon, on a déjà un pourcentage de dégâts qui est tellement insane. Il faudrait de la vitesse d'attaque, surtout. On fout plein de choses. Comme toujours. Aïe. Ouais, ça, c'est le truc méga dangereux, vous voyez. J'ai reculé dans le même sens de charge des mobs. Du coup, j'aurais pu prendre tous les dégâts d'un coup. 390, ok. Bon, c'est quand même beaucoup de PV, donc on va prendre la régène. On va prendre le sac. On va prendre l'esquive 1, 2, 3. 4, 5, 100 plus dégâts par coup de lance, il manque plus que de la def et c'est Gucci. Ouais, en vrai, ça sert à rien d'en prendre autant là, hein. on a beaucoup trop, on a 262% dégâts, donc on prend juste du risque pour rien, hein. Mais c'est parce que c'est rigolo. Hop, parce que là le gain est quand même assez minime maintenant. Là, ce qui nous donnerait du gain, c'est du flat damage, la vitesse d'attaque. Hop. Et en effet, là, on veut potentiellement du défensif. Là, c'est le défensif qui nous fait gagner la run, mais encore une fois. C'est aussi pour le challenge, pour le plaisir perso. Attends, je l'ai vu, il est où? Ah, par contre, non, je suis en train de faire n'importe quoi. Alors, je le vois, il est là-bas. Et mes HP, ils vont pas. Il est passé où? Ah, il est passé là-bas. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ok, 400. Ah, oh, mais non, on prend pas. Pourquoi je l'ai pris? Le réflexe, 4 dégâts mêlés par exemple, ça là c'est très très fort. Bon, quoi qu'on est à 14, mais c'est bien quand même. Ça on est à plus 2, donc on peut le prendre. Ça on prend, donc 1. Ça on prend. 2. Ça on prend. 3.
4. Allez, 5. Ah, c'est un boss. C'est un boss. Ok, adieu. Adieu. Ok. Ok, c'est bon. 5 APA pendant la vague de boss. C'était peut-être un petit peu... Attends, on a beaucoup, beaucoup de damage, là. C'était peut-être un petit peu cavalier de ma part. L'alliage va faire un gros up de dégâts, même si on perd un peu d'esquive. Hop. Après, on one-shot probablement déjà tout, de toute façon. Ok. Ça va, ça passe, ouais. De la vitesse, de la chance de crit, de l'armure, pour 2 de régène, on prend. 2 dégâts mêlés pour 1 de régène. Ouais, vas-y, on prend, mais faudra arrêter, là. 6 dégâts mêlés. Vas-y. Ça, on prend 1. 2. Ah, je vais prendre, ça, c'est rigolo. Puis on veut crit aussi. 3. On va le rentabiliser, ça. Bon, en tout cas, 4. Vague 13. Est-ce qu'on le rentabilise ou pas? On a que 10 de chance, non. Attends, j'étais à combien? À 4? Ouais, 5 là. Hein. Je sais plus. Bref, go. Hop. Je vois des petits coups à 512 à la lance. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt propre. Ah, il nous faudrait tellement des items de régène là. En plus, j'ai pris des malus de régène. Donc. Mais pas ce qu'il faut faire. Hop. On a eu le petit bonus d'armure. Bon, après, on a eu des malus d'armure, mais vu que c'est un gros bonus d'armure, c'est pas mal. Oh, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. C'est ouf, comme malgré le fait qu'on ait énormément de dégâts, regardez comme on a du mal à clean. Et je vais mourir. Je vais mourir. En vrai, vas-y, on va prendre l'esquive. On va prendre la régène. On va combiner tout ça. 1. 2. Trois, je vais pas prendre canon de verre, hein, ça sert quasiment à rien. 4. Cinq. Six ou pas? Ah. Tout le monde dit 6, sauf Monsieur Tardigrade qui vient d'arriver sur la chaîne. C'est son tout premier message. Et bah, je vais l'écouter. Voilà. C'est son tout premier message. Mais je pense que 6, ça passe. C'est juste que le gain, en vrai... vu le danger, pour le peu que ça rapporte... Mais oui, regardez, c'était tranquille. Hein. C'était tellement tranquille, là. On pouvait... Donc c'était ton premier message, mais t'étais un peu frileux quand même. Bienvenue en tout cas. Hop.
up. Il y a quand même... On a, c'est ouf, hein, je trouve qu'on clean pas bien. Hein. Ça, à chaque fois, ce qu'on tue, on le tue bien, il n'y a pas de souci. Mais... j'ai l'impression d'être à deux doigts de me faire submerger très très souvent. Après aussi, c'est peut-être parce qu'il y a plus de mobs que des runs classiques. Ça va. Ok. Alors, on a du PV max, le vol de Vinon en un négatif. Oh, du PV max. On va prendre cette magnifique lance. Bon, ça en vrai, c'est pas ouf, mais on prend un. Deux. Non. J'avais oublié la fin. J'étais en train de lire. 3. Ah mince. On est d'accord, c'est beaucoup trop tard. Hein, ça sert à rien. Hein, même. Attends, on a 215. Non, ça sert à rien. Non, la couronne, c'est Osef maintenant. Hein, parce que va rester quoi ? Va rester vague 16, 17, 18, 19. Donc 4 vagues où on va avoir 8%. Donc logiquement, on aura 8% de plus. Donc ça veut dire 16 de plus. Non, non, c'est pas intéressant. Hop, de 200 gold quand même. Bon, un peu moins en vrai. Ah, si j'allais sans fin, mais je veux pas sans fin, non. Ok, let's go. Attends, déjà, attendez, déjà faut pas mourir sur ce boss là. Hein. Déjà faut survivre à ça. Ouf, c'est passé, on l'a tué. Voilà. Ça tient environ 100 récoltes en plus vague 20, ouais, c'est ça. Ouais, donc en infini, oui, ce serait génial, bien sûr. Et ben. Alors, on prend cher quand même. Ah, nice. J'aime bien ça, les petites caisses. Bon, je dive. Ça passe. Et ben. Un boss pas vu. Plus 5 PV, 2 régénérations, plus 2 régénérations de PV pour tous les moins 1% vitesse. Je réfléchis s'il y a un truc rigolo à faire, mais je pense pas. Hein. Ça va être chiant, je vais être tout lent. Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire un truc rigolo, mais... Moins 6, je me prends plus 12. Oh, ça va juste être chiant, je pense. On va recycler. Non, ça va juste être chiant. Ah, vitesse d'attaque, par contre, c'est oui, tous les jours. Ah, oh, quel dommage! Non! Oh, quel dommage! Oh, quel dommage! Tant pis. Tant pis, tant pis. Tristesse. Ah, ça convoitait bien. Hein. 2. 3. Je sais pas si c'est worth encore, mais... 4. Cinq. Oh, je veux pas de la porter en plus sur les 7. Hein. 8 ou pas?
Est-ce qu'on tente 8? Il y a Sart qui a dit 8. Oui? Vous voulez que je rate ma run, c'est ça? Ok, let's go. 8. Ah, oh, ça passe. Ok, ça va. C'est pas ça, c'est tranquille. Hein. Beaucoup... Mais c'est bizarre, la vague 8. La 8 m'a pas hyper impressionné. Alors qu'il y a des vagues où j'ai l'impression qu'il y en a 3 fois plus. Bon, je sais que là, je les tue beaucoup plus vite, mais quand même. Hop là. Ok. Ah, le 8 s'est bien passé. Ah ouais, sauf là. Attends, je veux pas mourir. Moi, je vais mourir. Je régène un peu. Mais c'est chelou que ça fasse si mal. On va prendre... Bon, vas-y, j'ai pris. 1. 2. Trois. Je suis peut-être quand même obligé de le prendre. Vas-y, je vais le prendre. 4. Allez, 5, ah, je peux pas faire plus que 5. Ok, ça y est, je suis une fusée. Plus vite que les balles, plus rapide que les balles. Oui, attends, oui, c'est ça, plus rapide que les balles. Hop. Bim. Ah, c'est sympa d'aller aussi vite d'un seul coup. Hop. Non, ça cligne bien, c'est pas mal. Bon, par contre, vague d'élite le prochain, on va peut-être pas faire les fifous. Même si l'élite va probablement voler, mais je vois ce qu'on prend quand même. Là, faudrait tellement de la grosse régène ou je sais pas quoi. Le truc qui augmente ma régène quand je suis sous 50%, c'était tellement bien. Ok. Le bolide, c'est ça. Ouais, bah, j'hésite entre 3 et 4 en vrai. Du crit, hein, bof. Que le rythme heal, ceci dit. Vitesse. Mais des petits PV max, est-ce que ce serait pas le plus safe hein? On voulait de la vitesse d'attaque. Bon, je vous écoute. Bah, régène PV serait bien, mais je pense que si je prends pas le dégât mêlée rouge, vous allez faire une syncope. C'est rouge, voilà. C'est sûr.79 PV. 1. 2. 3. Ah mince, c'est le boss. Quatre, c'est bien 4. On peut faire 5. 5 ou pas? 4 ou 5, on peut faire un petit 5 si vous voulez. Non, 4. 4, c'est le boss. 4, 5, 5. Il y a eu beaucoup de 4 quand même. Allez, 4. Let's go. Ok. Ah, c'était le boss, c'était potentiellement tendu. Hein.
Vous êtes des petits joueurs un peu quand même, hein. Hop. C'est après que ça devient limite plus tendu, quoi. J'ai 85 HP. Attends, j'étais à... Qu'est-ce qui m'a donné des HP? Attends, je me souviens être tombé à 79, et après j'ai acheté quoi? Enfin, je sais plus. Ouais, mais je prends cher des fois, c'est ouf, quoi. 1252 les coups de lance critiques. C'est pas mal. Manque de petites pièces tout ça. Ok. Il apparaît quand le boss de la vague? Oh, 6 armures, ça se prend, hein, même si on perd 2 régènes. Bon, c'est rouge, mais ça sert à rien là. Hein. Donc on reroll. Ah, tu veux pas me donner un truc sympa? Voilà, tiens, hop. J'en veux pas de ton 12 récolte rouge, il faut te le dire dans quelle langue? Hein? Ouais, 5% de crit. C'était un peu pas terrible, là, tout ce qui vient de se passer. 1. Ça en prend. 2. 3. Je sais pas si c'est intéressant. 4. 5 et je peux pas faire mieux. Ok. Quand tu les tues assez vite, ils ont pas le temps de tirer. Quel plaisir. Quel énorme plaisir. 95 HP, on est bien. On a pas mal d'armure. On a de l'esquive. Attends, c'est quoi mes stats? 56% esquive, 11 armure, 95 PV, 28 de régène. Et des stats de dégâts corrects. À peu près corrects. Des stats de dégâts qui passent. Ils sont pas trop mal. Hop. Qu'est-ce qu'on va s'acheter pour la dernière vague? Est-ce qu'on va trouver un truc qui change tout? On va trouver 5 HP. On a eu un loot. On est level 23. On n'a pas de bonus XP, donc le level 24 me paraît tendu, mais on sait jamais. Je suis en train d'essayer de tout ramasser en prenant bien des risques, là. Ah, mais si, on est le level 24. Ah oui, c'est le 25 qu'il aurait fallu. Ah, c'est pas mal, ça. 664 de dégâts. On prend. Bon bah 15% de vitesse d'attaque, hein, on va prendre. Est-ce que j'en prends pour la dernière vague? J'en prends un pour être à 600 tout rond. On n'en a pas vraiment besoin pour la dernière vague. J'en prends un, ça me met à 600. Voilà, 600 c'est beau. C'est beau. Voilà. Hop. Max et l'esquive. Voilà, ça c'est bien. On va prendre ça. Hmm. 666, c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé de quoi upgrader l'arme. Mais c'est foutu. C'est foutu. 15 dégâts d'explosion. On a un truc qui explose quelque part ou pas? Hop. Et ben voilà. Bon. Je pense que ça va pas être long. 600% de dégâts. J'aurais pas eu mes 100 HP. Je suis à 99. Tellement la haine. Oh, cette run est un échec. Bon, on aurait bien galéré à trouver comment... comment prendre beaucoup d'appâts early. J'aurais clairement pu abuser beaucoup plus. Mais c'est un petit 600% dégâts, 58 dégâts mêlés, 100% vitesse d'attaque. Que 35% de crit. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. 100 HP à la fin. Ah bah oui, il y a eu le level up, 100 HP, c'est bon. Non, cette run était géniale. Cette run était fabuleuse. C'est bon. C'était une belle run. Ah, j'aurais bien galéré au début à trouver l'arme qui fait que...
Voilà. Voilà. Bon, plus que deux. Des bisous YouTube. C'était cool. Ciao, ciao.